tap 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 tap. Ah 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 ah. Bon, bon. Force de connaître vos machinations et vos combats, un jour nous réussirons. La partie n'est pas finie. Un whisky coca pour moi, s'il te plaît. Ça marche. Tu regardes quoi? Rien. La serveuse. Bah allez, vas-y, lance-toi. Vas-y. Elle va pas te manger, hein. Bonjour mademoiselle, 3 whisky coca, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ça va vous faire 12 euros. Pas de problème. Ah merde. J'ai pas d'argent. Tu peux payer, s'il te plaît. Mais t'inquiète, hein, je te rembourserai, tu me connais. Hein. Vous savez, ça m'arrive pas souvent, hein, mais en ce moment j'ai trop de trucs à penser. C'est... Tiens, ça vous dirait que demain soir je vous invite à boire un verre? Ah pourquoi pas, si je suis libre, pas de problème. Ah super. Bon, d'habitude je préfère les brunes, mais bon, je peux faire une exception. Hein. Oui, c'est ça, oui. Tu sais ce que fait une blonde quand on lui donne un éventail? Non. Eh bien, elle remue la tête. T'es con. Attends, on va essayer. Mademoiselle. C'est vraiment très joli.
Vous êtes artiste? Si on peut dire, je suis un passionné. Mon premier métier, c'est je suis dans le commerce, dans la finance. Je suis un businessman, on peut dire. Ma passion, c'est la peinture. Le film La jeune fille et la perle, vous l'avez vu? C'est ce qui m'a donné la passion de la peinture. Vermeer est un des artistes peintres qui m'a influencé. Donc quelque chose qui me fait très plaisir, parce que là, je suis vraiment très inspiré. Je fais beaucoup de portraits, Vénus. J'aimerais bien vous avoir comme muse, ça me fait très plaisir, je serais le plus heureux de vous. Quel bonheur! Je suis tout à vous. Oui. De quoi, par votre peau, m'inspire-t-elle? Cet homme, que fait-il ici? Il est seul. Sale gosse. Vous avez vu? Ouais. J'en peux plus. Je vous comprends. J'en ai eu 30 des comme ça aujourd'hui. 30. Je suis enseignante, vous voyez. Alors, moi, j'ai cru que j'allais pouvoir les instruire, leur apprendre des choses qu'ils se construisent avec, qu'ils aient envie. De respect, ils respectent plus rien, l'autorité, rien. Vous voyez, l'autorité, c'est... Il y a des grands, des petits, on se respecte. Il y a des solutions. Les gens... Non, ils respectent rien. Il y a des solutions. Je suis fatiguée. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus, justement. Moi, vous voyez, ce que je voudrais, c'est me recentrer. Me recentrer sur moi. Oui. Sur ce que je ressens, dans sur... ce que je prépare. C'est... Vous connaissez les ashrams en Inde? Oui. Voilà, c'est des lieux de méditation. Dans une sorte de reconstruction spirituelle dans le livre où on se recentre que j'écris, sur le cosmos. Il y a un chapitre sur les ashrams, justement. Comme lui, là. Il est enchaîné, moi je me sens enchaîné. Ils vont finir tous enchaînés. Moi, mais j'ai des solutions. J'en peux plus. Faut que ça change. J'écris là-dessus. Faut que ça change. Mais ça changera. Dès que mon livre sera publié, vous verrez. Justement, je suis en train d'écrire un ouvrage sur la question. Violette, pourquoi ta mère, elle quitte pas ton père? Je sais pas. Je la comprends pas. Si c'était moi, ça ferait longtemps que j'aurais quitté un type pareil. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a peur et elle est soumise. En plus, on est dépendante financièrement. Elle s'est fait virer de son boulot le mois dernier, alors maintenant, c'est encore pire. Franchement, j'en ai marre, j'en peux plus. Laisse-moi passer! Je veux couper des cheveux, moi. Pas devenir paysagiste.
ça. Bon, je t'appelle, tu vas me faire voir. Pas de problème. On ne sait plus se regarder. Débarrassons de ce type. Monsieur, vous ne voyez pas qu'on est en train de parler? Mais voyez, vous ne communiquez plus. Vous nous laissez tranquille? Soyez attentif. Tu te casses, oui? Voilà. Vous êtes ensemble, mais seuls. Eh, vas-y, s'il te plaît. Laisse nos tripes. Mais moi, je vous propose d'en sortir de votre trip. La vraie communication, voilà ce qui va nous sauver. Eh, c'est bon, ça va, hein. Lâche-nous. Casse-toi. Et vous, là? Je vois dans votre regard, vous avez plein de choses à exprimer que vous n'osez pas faire. Libérez-vous, communiquez. Regardez là-bas ce monsieur qui est prisonnier. Lui, il doit avoir des choses à nous raconter. On va aller le voir. Suivez-moi. Vous ne voulez pas finir comme cet homme? On est tous des êtres humains. Voilà. Vous êtes ensemble, mais seuls. La vraie communication, voilà ce qui va nous sauver. Libérez-vous, communiquez. Et bonsoir tout le monde. Ouais, ça va bien ou quoi? Ouais. Ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir. Ouais. Et vous savez quoi? J'avais un ami. Eh, dis donc, je savais pas qu'on vendait des shorts avec des poches trouées. Ouais, y a des histoires qui sont mortelles. Eh, quand on gonfle, on s'éclate. Et la muse s'amuse. Et vous là-bas, à force d'en boire, vous avez lâché la pression? Eh, ne surtout ne manquez pas mon prochain spectacle. Il décoiffe. Avant toute chose, Angélique, voudrais-tu boire un verre avec moi? Oui. Bravo!